Lexique, la synonymie. Une tactique 4, semaine 18-19, mes apprentissages en français, page numéro 114, cinquième année d'enseignement primaire. J'observe et je découvre. A. Il est impossible de laisser gazelle sur le bord de la route. B. Il est impossible de laisser gazelle sur le bord du chemin. C. Il est impossible de laisser gazelle sur le bord de la voie, la chaussée. Gazelle est le nom de quoi? Gazelle est le nom du camping. Gazelle est le nom du camping-car. Rappelle-toi, qui a dit cette phrase? C'est la maman dans le texte de lecture. C'est la maman qui l'a dit. Qui a dit cette phrase dans le texte de lecture? Je manipule et je réfléchis. Souligner ce qui change d'une phrase à l'autre. Numéro 1. De la route, du chemin, de la voie. Par quel mot a été remplacé le nom route dans les phrases B et C? Alors, par chemin et voie. Est-ce que le sens de la phrase change? Bien sûr, non. Comment appelle-t-on ces mots qui ont presque le même sens? Alors, on les appelle des synonymes. On les appelle des synonymes. C'est ce qu'on appelle la synonymie. Alors, ce sont des synonymes. Alors, ces mots, ils ont presque le même sens. Non seulement presque, mais ils ont le même sens. Je m'entraîne. Barre l'intrus dans chaque liste. Entendre, regarder, voir, observer. Alors, on barre le mot entendre. B. Grand, immense, minuscule, gigantesque. Alors, on barre minuscule. Calme, tranquille, bruyant, silencieux. Avion, auto, voiture, automobile. Barre avion.
ami, camarade, cousin, copain. On barre cousin.